Alors, comme le disait dimanche dernier le pasteur Laurent Gagnebin dans son excellente prédication, nous pouvons vraiment présenter notre peine devant l'Éternel. Oui, nous pouvons confier notre peine à Dieu pour ce qui ne va pas dans notre existence, pour ce qui nous arrive de mal, ou pour un bienfait qui nous manque, comme Anne qui espère avoir enfin un enfant dans ce texte de la Bible que nous avons entendu dimanche dernier. Nous pouvons aussi confier à Dieu notre peine pour nos manquements et pour nos manques de force, manques de sagesse. Il y a encore une peine que nous pouvons faire monter à Dieu. Nous pouvons lui dire notre déception. Nous avons le droit de porter plainte contre Dieu, de lui demander pourquoi. Pourquoi cette injustice? Pourquoi cela arrive-t-il à moi ou à telle personne que j'aime? N'es-tu pas, Seigneur, le Dieu de bonté, le Créateur de la vie, celui qui bénit? Pourquoi donc y a-t-il de mauvaises choses? C'est cette plainte devant l'existence du mal que Jésus nous propose de faire monter à Dieu dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, où il fait dire aux hommes « Seigneur, n'avais-tu pas semé de bonnes graines dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de mauvaises herbes ?» Et donc je vous propose de relire ensemble ce matin cette parabole du bon grain et de l'ivraie. C'est dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13, les versets 18 à 32. En fait, je vais lire la fin de la parabole du semeur et puis la parabole du bon grain et de l'ivraie. Vous donc, écoutez la parabole du semeur, nous dit Jésus. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le mal vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un instant seulement, et dès que survient une difficulté ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent sans fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Il leur proposa une autre parabole en disant « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait aussi de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez grandir ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Et je voudrais vous lire ensuite, quelques lignes de la première page de la Bible dans la Genèse. Je ne résiste pas à la gourmandise qu'est de relire ces paroles que nous connaissons par cœur. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de prendre le psaume 130, le De Profundis que nous a fait chanter Laurent Gagnebin dimanche dernier, que nous avons commencé à apprendre grâce à lui. Donc ce psaume 130, du fond de ma détresse, les trois premières strophes de ce psaume 130 dans le psautier français. Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit, à ta présence créatrice, afin que l'Écriture devienne pour nous maintenant source de vie, que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui donnent de la force et de la lumière, que nous soyons attentifs, attentifs aux gestes qui sauvent. Rends-nous attentifs à tout ce qui est juste et bon en chacun, autour de nous. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. Que ta joie, ô notre Dieu, soit notre force.
Alors cette parabole du bon grain et de l'ivraie touche à la question de l'existence du mal dans ce monde. Et cette question est importante parce que l'on entend souvent des gens dire « s'il y avait un bon Dieu, il n'y aurait pas toutes ces catastrophes ». Alors il est légitime et même salutaire de se scandaliser du mal qu'il y a dans le monde. C'est ce que fait Jésus dans cette parabole, où il ne justifie pas le mal comme s'il était parfois utile. Non, pour Jésus, le mal est effectivement un mal, il n'est pas dans le plan de Dieu, il ne l'a pas voulu et il ne l'accepte pas. Il n'y a donc pas de raison de lui en vouloir pour ça à Dieu. Au contraire, Jésus nous dit ici que Dieu est vraiment source de bien, il plante sans cesse des germes de bonté nouvelle et il cherche à nous délivrer du mal. Mais si la souffrance et le mal ne sont pas la volonté de Dieu, comment se fait-il qu'il y ait tous ces problèmes ? C'est la question posée dans cette parabole et Jésus y répond, je trouve, d'une façon intelligente et féconde. Se poser cette question de l'existence du mal n'est pas seulement pour le plaisir de philosopher, ce qui n'est pas négligeable non plus, certes. Mais cette question est cruciale car les réponses que l'on y apporte ou que l'on renonce à y apporter concernent radicalement notre façon de vivre et notre foi aussi. En quel Dieu croyons-nous ? C'est-à-dire quel est l'idéal que nous plaçons devant notre existence ? Est-ce que nous nous ouvrons vers le Créateur de la vie dans la crainte ou dans la confiance ? Mais aussi, quel est le statut du mal dans l'existence humaine ? Comment agirons-nous face au mal et face au manque de bien que nous ne pouvons pas faire autrement que de remarquer ? Alors, selon Jésus, le mal est un mal. Nous n'avons donc rien à craindre de Dieu car il n'est pas source de mal. Il n'utilise jamais le mal, ni comme peine, ni comme épreuve pour nous tester, ni comme moyen pédagogique pour nous faire filer droit. Ce n'est absolument pas le cas, selon le témoignage de Jésus, même s'il pourrait y avoir certaines lectures de certains passages de la Bible qui pourraient faire penser ça. Le mal, selon l'Évangile, est ce qui ne devrait pas être. Et Dieu agit pour augmenter le bien sans cesse, et pour diminuer le mal. Et nous pouvons prendre notre part dans cette évolution. Alors, puisque Dieu ne veut pas le mal, d'où viennent les problèmes ? Jésus répond à cette question en combinant deux causes différentes à ce qui ne va pas dans le monde. La première cause est que le monde est encore en genèse, que Dieu continue à créer. Et la seconde cause, c'est que l'homme est source de mal. Et cela, bien sûr, nous sommes obligés de le reconnaître. Alors la première chose, c'est qu'il reste quelque chose du chaos primordial dans le monde et que la genèse est encore en cours. Le monde, oui, est en cours de création, tout n'est pas encore bien organisé dans la nature, mais aussi, malheureusement, en nous tous. Nous sommes toujours un enfant en cours de croissance. Il reste une part du chaos primordial dont il est question dans les premiers mots de la Genèse. Dieu a semé de bonnes graines, certes, mais aujourd'hui encore, nous dit Jésus dans cette parabole, Dieu est en train de semer des bonnes graines. Tout n'a pas encore germé en plus dans ce qu'il a semé, tout ce qui a germé n'a pas encore poussé pour que le plan de Dieu soit accompli. Donc oui, il reste du chaos, il reste une part de hasard, de désordre dans la nature, et cela est source de souffrance et de mort aveugle. Voilà le premier point fondamental selon ces paroles de Jésus. Dieu n'est pas tout-puissant, mais il y travaille sans cesse à construire un monde où la justice règne, où la bonté règne. Dans ce texte de l'Évangile, on ne nous dit pas que Dieu a semé de la bonne graine, mais que Dieu est semant une bonne graine au participe présent. Son œuvre est donc sans cesse en cours. Et il reste du travail. Alors, contrairement à ce que l'on a parfois imaginé, Dieu n'a pas créé le monde en un coup de baguette magique dans l'ancien temps. Peut-être que certains peuvent trouver ça décevant, finalement,
mais Dieu créé, en semant simplement, j'allais dire, des graines, plutôt que de faire descendre du ciel des arbres déjà tout faits, en pleine maturité, avec même les pommes sur les branches. Et c'est cela le royaume de Dieu, selon cette parabole. C'est ce processus d'ensemencement du monde en vue du bien. Alors la science nous dit qu'effectivement le monde est en évolution. Depuis 15 ou 18 milliards d'années, je ne sais pas, les choses bougent dans notre univers. Dieu n'est pas indifférent ou inactif face à cette part de chaos qui nous scandalise à juste titre. Il continue à semer du bien pour créer le monde peu à peu. Mais à nous aussi, il faut du temps pour évoluer. Nous ne venons pas au monde sachant tout et capables de faire, d'accomplir mille prodiges. Au contraire, il nous faut évoluer tout au long de notre existence, et c'est une grâce aussi, comme le rappelaient les parents de Matthieu, de pouvoir se construire un peu soi-même aussi, avec l'aide de ceux qui nous aiment et avec l'aide de ce Dieu qui nous aime plus que tout. Ne désespérons donc pas, ni de Dieu, ni de ce monde, ni de l'humanité, ni de nous-mêmes. Pour l'instant, nous dit Jésus, c'est vrai que le bien et le mal sont mélangés, mais Dieu y travaille, et à terme, rien de ce qui est bon ne sera perdu. Alors nous pouvons recevoir dans cet évangile un irréductible optimisme et l'envie de présenter, oui, à Dieu notre peine et notre révolte face à l'existence du mal et au manque de bien. Dieu est source de ce miracle qu'est l'existence du bien, comme le disait Wilfred Monod. Dieu est une inimaginable source d'évolution et de vie. Et il est aussi, quand cela lui est possible, on le voit dans la fin de cette parabole, une source de purification et une source de récolte du bien pour le garder précieusement. Jésus nous montre donc ici comment il voit l'action de Dieu et puis comment nous pouvons agir face au mal aveugle du chaos ou que ce soit en face du mal voulu et fait par l'homme. Il y a un temps pour le travail en douceur, des graines de bien, de bonté nouvelle sont semées. Jésus ne parle même pas de labour pour ouvrir la terre de force dans ce travail du semeur, non. Les bonnes graines sont offertes simplement comme ça au monde, dans l'espérance que le mal diminue. Elles sont offertes à notre liberté aussi, pour que nous les recevions, que nous les laissions grandir, et que cela nous libère, libère notre propre créativité pour être à notre tour semeur de bonnes graines. Il y a donc d'abord ce travail en douceur que sont les semailles, et il y a le temps de la moisson, le temps où il est enfin possible d'agir pour détruire le mal et pour conserver ce qui est bien. Notre semeur passe alors le relais à une équipe de moissonneurs qui coupe, qui trie, qui jette ce qui est mauvais et qui recueille ce qui est bon. Alors nous sommes, selon l'Évangile, dans un temps complexe, où l'heure de la moisson est déjà là dans un certain sens, mais où il nous faut encore attendre, et il est encore le temps de semer et d'attendre. Dieu et nous en équipe, même si nous ne participons que d'une façon bien sûr modeste. Nous sommes encore en train de semer de bonnes graines d'un monde nouveau face au chaos et face à l'ivraie du mal voulu. Pourtant déjà, dans une certaine mesure, il est possible de commencer à moissonner, à faire le tri et à recueillir de bons fruits délivrés du mal. Cette ambiguïté nous traverse dans ce qui nous arrive dans notre existence, mais aussi dans ce que nous sommes. Et cette dualité est une tension fondamentale dans notre existence. Cette dualité est l'objet de notre plainte devant Dieu, elle est aussi l'objet de notre louange, bien sûr, louange devant lui. Cette dualité est également l'occasion de notre confession du péché, et elle est celle d'une vocation qui nous fait nous lever, pour lever, pour moissonner et pour recueillir.
Et en ce temps présent, eh bien, notre impatience est légitime, bien sûr. On se dit, mais que fait Dieu ? On voudrait qu'il règle tout sur le champ, c'est le cas de le dire. Mais le royaume de Dieu est ainsi par nature même de ce qu'est Dieu. Dans la Bible, le travail de Dieu est comparé à celui d'un agriculteur qui sait que ce n'est pas en tirant sur les brins d'herbe qu'on les fait pousser plus vite, mais qu'il faut du travail, qu'il faut de la patience, qu'il faut de l'amour. Est-ce que l'on peut en vouloir à l'agriculteur si le blé semé aujourd'hui à l'automne n'est pas encore mûr pour être moissonné ? Bien sûr que non, c'est normal. Et c'est déjà bien beau de vivre aujourd'hui de ce qui a été semé dans le passé et que l'on a pu moissonner. Et c'est bien de savoir que Dieu est encore à l'œuvre aujourd'hui avec une puissance qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, bien sûr. Même si cette puissance nous laisse toujours, et heureusement, scandalisés par le chaos, par la lenteur des progrès et par tout le mal qui reste dans le monde. Alors on peut avoir envie de critiquer la façon de travailler qu'a Dieu. Je crois qu'il vaut mieux, comme dans la vie d'ailleurs, gueuler que de se faire la gueule. Parce qu'au moins on s'explique, au moins on dit en face ce que l'on a et ça laisse la possibilité à l'autre de répondre. Eh bien c'est pareil avec Dieu. Sans cesse dans la Bible, on voit que l'homme fait un procès à Dieu. C'est possible, c'est autorisé. C'est le fondement même d'une alliance basée sur l'amour. Nous pouvons donc critiquer la façon de travailler de Dieu. Nous exigeons qu'il agisse dans l'instant, en arrachant ce qui ne va pas, qu'il souffle sur les graines qu'il a plantées pour qu'elles grandissent en un clin d'œil. Mais que savons-nous des limites qui s'imposent même à Dieu pour créer le monde ? Jésus nous dit simplement qu'il ne peut pas arracher le mal avant que le blé soit entièrement levé. On peut comprendre ça. Et pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas lever le blé plus vite ? Nous voyons ici, comme dans le livre de la Genèse, que Dieu ne crée pas en un instant. Dieu est éternel, mais cela ne veut pas dire qu'il soit intemporel, hors du temps. Mais même lui travaille dans le temps. Et souvent, ce que l'on prend du temps pour faire pousser, pour construire, eh bien c'est mieux construit, ça a mieux poussé. Notre indignation face à l'existence du mal peut être positive en fait, si ce n'est pas une rupture. Si nous voulons que le bien progresse plus vite, tant mieux. Dieu est d'accord, il nous attend justement pour travailler avec lui en semant de bonnes graines. Nous avons déjà en nous ce potentiel de créativité qui ne demande qu'à s'exprimer, qu'à s'épanouir. Mais nous agissons souvent comme le diable de cette parabole de Jésus, en ensemençant du mauvais grain dans le monde, ou alors en arrachant à tort et à travers ce qui ne devrait pas être arraché. Car dans la bouche de Jésus, finalement, le diable de cette parabole, cet ennemi qui plante des horreurs, c'est bien l'être humain dans sa volonté de faire le mal. En effet, au milieu du récit, il appelle cette force mauvaise un homme ennemi. Cela montre la conception du diable qu'a Jésus. Le diable, ce n'est pas une sorte de dieu obscur ou d'ange mauvais, comme pouvaient le penser les Babyloniens ou peut-être certaines personnes qui ont écrit certains passages de la Bible. Mais le diable, c'est le mauvais côté de tout être humain, quand nous sommes source d'éparpillement et quand nous sommes source de chaos, au lieu d'être source d'évolution positive, de vie, d'harmonie. Et donc le mal, oui, est semé par l'homme ennemi de Dieu. Nous avons là une seconde source du mal qui existe dans le monde, et face à cela, notre plainte redouble. Redouble de peine et s'accompagne, si l'on est honnête, de la confession de notre propre péché, car cet homme ennemi, il est aussi, bien sûr, en chacun de nous. La bonne nouvelle de la puissance limitée de Dieu en ce monde, c'est aussi celle de notre liberté, liberté qu'il nous laisse de recevoir ou non les pistes d'évolution positive qu'il nous offre.
Nous avons également notre liberté de faire le bien ou de faire le mal, de profiter de cette créativité possible qu'il nous offre. En mettant notre créativité au service de la haine, de la souffrance ou de la mort, comme nous aurions pu la mettre au service du bien. Et nous sommes tous finalement comme ce champ à moitié levé où cohabitent le bien et le mal. Nous sommes même tous mi-Christ, mi-diable. Alors la fin de la parabole est alors une bonne nouvelle qui nous concerne intimement, non seulement pour notre existence et ce qui nous arrive, mais pour ce que nous sommes. Dieu ne perd pas une miette de ce qu'il y a en nous de bonté, nous dit Jésus. Et en définitive, nous serons totalement libérés de notre côté diabolique, de notre côté souffrant aussi, car cette souffrance, cet éparpillement, il est aussi à l'œuvre à l'intérieur de nous-mêmes. Mais pour l'instant, en ce monde et en nous-mêmes, Dieu travaille avec une puissance limitée. Et il n'est pas possible, même pour Dieu, de nous arracher notre dimension diabolique comme on arrache une vieille dent pourrie. L'homme est ainsi fait que nous sommes totalement les deux à la fois, totalement le fruit du bon grain et l'enfant de Dieu, et nous sommes aussi à la fois totalement livrés, le diable qui blesse et qui tue. Nous sommes les deux à la fois. Pour l'instant, Dieu n'a pas d'autre ressource face à l'humanité tout entière et face à chaque être humain que d'appeler chacun, que d'accompagner chacun, d'aimer chacun, de visiter même le moindre des humains et peut-être particulièrement lui. C'est ce que Dieu fait en Christ. Le Christ ne tue pas la méchanceté dans l'homme, il appelle à la conversion, il annonce l'évangile du pardon de Dieu. En Christ, Dieu est encore plus le semeur que jamais et il est encore moins le tout-puissant qui pourrait imposer par force sa volonté au monde. En Christ, Dieu offre à l'homme la semence d'une évolution positive. Par lui, la vie est plus que jamais entrée dans le monde. Alors oui, le monde est plein de signes de la victoire de la puissance de Dieu. Chaque fois que le miracle de la vie l'emporte sur la mort, chaque fois que l'on espère, chaque fois qu'il y a un geste de générosité gratuite ou une parole de paix, chaque fois qu'un malade guérit, qu'un isolé est visité, que quelqu'un reçoit la bonne nouvelle d'une relation possible avec Dieu, c'est un signe de son royaume qui est attendu et qui est déjà présent. Et quand un enfant naît mal formé, quand une inondation ou une guerre dévaste des familles et des pays, nous sommes alors en présence soit du chaos, soit du péché de l'homme, et parfois des deux à la fois. Nous sommes en présence de la faiblesse de Dieu, d'un Dieu qui continue à semer et à espérer, qui continue à soigner, à accompagner, à nous pardonner et à nous appeler. C'est comme ça que Dieu aime. C'est comme ça qu'il entend notre plainte. C'est comme cela qu'il féconde notre repentance et notre louange. C'est comme ça qu'il exauce notre prière et que nous exauçons son espérance. Amen.